Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ah, impeccable. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez que il y a 40 jours entre la Pâque et l'Ascension. Donc je vous propose de vous lire trois textes de l'Ascension pour commencer à vous préparer à cette célébration qui vient, puisque c'est dans quelques jours. Cette ascension qui est absolument essentielle à comprendre, comme Jésus l'a dit lui-même. Alors, je vais vous faire cette lecture. Il s'agit de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, verset 19. Ascension de Jésus et proclamation de l'Évangile. Or donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ceux-ci étant partis, proclamèrent partout le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Hein? Entre la résurrection et cette ascension, il y a 40 jours où Jésus était là. Hein? C'est ce que nous fêtons. C'est pour ça que pendant ce temps, on a fait beaucoup de lectures des actes des apôtres. Donc Jésus était bien là à ce moment-là. Il était avec eux. Ensuite, je vous lis Saint Luc, chapitre 24, verset 50. L'ascension de Jésus et la tente des apôtres. Il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie et ils étaient continuellement dans le temple à bénir Dieu. Imaginez pour les apôtres, comme ça a dû être fort. Il y avait déjà eu la séparation de la crucifixion. Ils le retrouvent ressuscité. Merci Sainte Marie-Madeleine, toi qui es la première des témoins. Et 40 jours, Jésus est avec eux, et là, il est enlevé au ciel. C'est ce que nous confirme encore dans les actes des apôtres, dans les actes chapitre 1, versets 9 à 11. L'ascension de Jésus, et à ces mots, sous leur regard, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, tandis qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes se présentèrent à eux en habit blanc. Et ils dirent, Galiléens, pourquoi vous tenez-vous là, regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé auprès de vous vers le ciel viendra de la même manière que vous l'aurez vu s'en aller vers le ciel, que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Acclamons la parole de Dieu, les amis, louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, les amis, je vous redis les références des évangiles et des actes des apôtres. Évangile selon saint Marc, chapitre 16, verset 19. Évangile selon saint Luc, chapitre 24, verset 50, et Actes des apôtres,
Chapitre 1, versets 9 à 11. Donc, vous voyez que c'est absolument essentiel ce qui se passe 40 jours après la résurrection de notre bien-aimé Jésus. Donc, il repart, il remonte au Père pour s'asseoir, comme le dit le Credo, à la droite du Père. Donc, à ce moment-là, on peut comprendre que les apôtres ne comprenaient pas vraiment tout ce qui se passait. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils le voient s'élever au ciel, et la bonne nouvelle que nous annoncent les actes des apôtres, c'est que Jésus l'avait dit de lui-même, « Vous me verrez revenir sur des nuées d'anges. » Vous verrez le Fils de l'homme dans sa gloire descendre du ciel sur des nuées d'anges. Donc, Jésus est monté vers son Père à l'ascension et il reviendra à une date que l'on ne connaît pas, seul le Père la connaît, sur des nuées d'anges, il reviendra. Mais dans une forme qui n'est pas celle de sa première venue. Donc, les apôtres sont sciés, puisqu'on le voit, c'est même précisé dans les actes des apôtres, ils sont là et ils restent scotchés à le voir qui a été enlevé au ciel. Et ce moment est à la fois déchirant pour les apôtres, on l'imagine, et en même temps, c'est un moment d'une ivresse insondable. D'ailleurs, l'Évangile le dit, dans Saint Luc, ils étaient partis au temple pour rendre grâce pour cette merveille de voir Jésus enlevé au ciel, ce qui confirme tout leur engagement auprès de Jésus est ainsi, bon, ils l'ont vu déjà ressuscité, et là ils le voient être élevé au ciel, sachant que Jésus l'avait déjà annoncé, qu'il est donc bien le Fils unique du Père, qu'il est en le Père et le Père est en lui. Amen. Donc, ils sont dans la joie. Dans quelques jours, Jésus va tenir sa promesse, ça va être la Pentecôte. Ils vont recevoir l'Esprit Saint qui va leur donner une force incommensurable pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on n'en est pas là. Là, on est vraiment à l'ascension. Donc, nous allons fêter donc, ce jeudi qui vient. Donc, toujours pareil, hein, puisque nous sommes dans cette logique de célébration annuelle où nous faisons les mêmes célébrations chaque année, mais à chaque fois, nous apprenons quelque chose de différent. C'est pour ça qu'il faut rester à l'écoute. C'est pour ça qu'il faut aller à la Sainte Messe pour s'imprégner de ces moments de célébration où nous comprenons de nouvelles choses. Vous voyez la densité des évangiles, la densité des explications, c'est absolument énorme. Donc, le fait que nous renouvelions chaque année ces temps forts, que nous les revivions, nous forme à chaque fois, nous enseigne par Jésus, notre seul enseignant. Et cela nous apporte énormément. Énormément de... Il faut bien essayer de le vivre intensément. Il n'y a eu qu'une ascension, il n'y en a pas eu 10 000, comme il n'y a eu qu'une mort de Jésus, qu'une résurrection.
qu'il n'y a qu'une ascension que nous fêtons, que nous célébrons, en fait, c'est le sens du mot célébration. Voilà. Donc soyons attentifs au petit clin d'œil que nous donne notre seul enseignant Jésus sur toutes ces célébrations où il nous apprend bien des choses. Hein? Écoutons les homélies des prêtres, il se peut que Jésus y glisse des enseignements ou des choses qui vont tilter dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur. Et ça va nous faire progresser. Merci Jésus, alléluia, tu es le seul enseignant véritable. Amen. Voilà les amis, préparez, je vais vous mettre dans les commentaires les références de ces lectures. Vous pouvez les relire et les méditer en essayant de vous mettre dans le cœur et dans les yeux de ces magnifiques apôtres que Jésus a choisis, qui devaient être vraiment dans une stupeur absolument magnifique et que l'on peut bien sûr partager. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. À bientôt les amis, bonne méditation, bonne lecture, la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt.